Yo la famille, c'est votre homme serviteur Eritor. On dit quoi ici? Comment vous allez? Moi je vais super bien. C'est déjà le week-end, donc je vous souhaite de passer un excellent week-end. C'est comment la Chine? La Légion? Apparemment c'est la guerre actuellement. Tout le monde est fâché, tout le monde dit pour lui. Vous savez, en fait, je fais cette vidéo-là pour calmer un peu les ardeurs, quoi. Voilà. Parce que j'ai passé toute la nuit d'hier à réfléchir et je suis arrivé à une conclusion. Une conclusion que je vais vous donner en fin de vidéo. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Tout le monde dit avoir raison. Vous êtes sans ignorer avec moi qu'il y a eu beaucoup de réactions, y compris la mienne. D'autres disent que Tchitcha Rafat a raison. Moi et les partisans de Debordeaux disent que Debordeaux a raison. Dans le fond, en fait, ce n'est pas ça le plus important. Moi, je vais vous dire pourquoi je pense que Debordeaux a raison et pourquoi d'autres pensent que Djidja Rafat a raison. Le truc, ce que vous devez comprendre, c'est que, rappelez-vous l'histoire du Prémude. Vous vous rappelez, non? Lorsque Djidja Rafat, Debordeaux, Kedjivara, Klebaï et consorts réclamaient de l'argent avant d'y participer. Et comme ça, le Mollah avait fait une vidéo, je crois, de 31 minutes, expliquant qu'effectivement, il y a un sponsor, mais qu'il n'avait encore rien reçu du sponsor. Mais je me rappelle aussi d'une vidéo de Bordeaux et de Didier Arafat, parce que les deux ont parlé, comme quoi, faut que le Mollah arrête de se foutre d'eux parce qu'il peut pas les dire, il peut pas leur dire que MTN est sur l'événement et qu'il n'y a pas eu de l'argent décaissé. En fait, ce que vous devez savoir, c'est ce qui rattrape aujourd'hui Didier Arafat. Debordeaux, on va dire qu'il est resté dans sa logique parce que lui, s'il est sponsor, on doit lui payer ses droits à l'image, ce qui est tout à fait normal. Et ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que Didier Arafat n'a pas daigné nier cela. Il a bien au contraire. Il s'est lui-même piégé dans son direct parce qu'il a reconnu effectivement que il a contacté. Il n'a pas dit que c'est le promoteur qui a contacté. Il dit qu'il a contacté Orange et effectivement Orange veut les accompagner. Bon, les amis, c'est vrai qu'on est tous fanatiques et hein, on est en train de se tirer, tirer, tirer et tout ça, ici et là. Mais quand toi-même tu dis que Orange veut vous accompagner et en même temps que tu dis qu'Orange n'a encore rien donné, pendant ce temps, il y a quelques mois en arrière, tu as fait une guerre ouverte en vidéo interposée avec le Mollah, comme quoi il se fout de vous, que MTN lui a donné plein d'argent et il ne veut pas venir distribuer avec ces petits que vous êtes. Voilà. Debordeaux lui reste dans sa logique. Sa logique on va dire, qu'il exprime vis-à-vis de toi. Parce que si tu dis qu'il y a un sponsor qui est Orange qui est sur l'événement, il y a de l'argent qui a été décaissé. Même si ce n'est pas tout l'argent, il y a au moins un petit blé qu'ils ont déjà donné. Bon, supposons que ce soit faux. Supposons que ce soit faux. Orange n'a rien donné. Parce que la partie où moi, je n'ai pas été trop d'accord avec mon artiste de Bordeaux, c'est qu'il n'a pas su faire les choses. Comme je dis toujours, on n'est pas toujours obligé de venir tout exposer sur la toile. On n'est pas toujours obligé de venir, on va dire, sur Facebook pour expliquer qu'il y a un problème. Voilà ce qui m'a énervé. Voilà ce que j'ai dénoncé depuis le début. Et je me suis mis en colère contre la Chine. Pas toute la Chine, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui me supportent quand même. Ça, il faut que je vous le dise. Quand je fais mes vidéos, vous pouvez lire mes commentaires. Il y a beaucoup de Chinois qui me supportent, à part ceux qui aiment bien insulter. Je me suis mis en colère contre vous. Pourquoi? Pendant que moi, je fais des vidéos pour calmer les ardeurs, pour demander, pour espérer même voir Debordeaux et Didier Arafat sur la même scène le 29, il y a des gens parmi vous qui passent le temps à insulter, qui passent le temps à vilipender mon artiste Debordeaux. Mais quand même, il faut que ça cesse. C'est pas parce que j'ai décidé de supporter Debordeaux et Didier Arafat désormais parce qu'ils sont réunis que vous allez vous foutre de mon artiste Debordeaux. Chose que je vais jamais accepter. Voilà toute l'histoire. Sinon, on va rester dans ce débat-là. Ça va jamais finir parce que les fans de Didier Arafat vont dire que Didier Arafat a raison. Au regard de ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et nous, les fans de Debordeaux, on dira et on maintiendra aussi pour dire que Debordeaux Likoufa a raison. On ne vous dit pas que c'est le promoteur qui allait contacter Orange. On nous fait croire que Didier Arafat allait contacter Orange parce qu'il voulait régler les problèmes. Ça, c'est un autre débat. En fait, cette vidéo, ce n'est pas pour créer encore des histoires. Hein. Moi, je suis un peu fatigué. J'ai réfléchi et puis j'ai compris que
personne n'aura raison dans cette histoire-là. Parce que, au constat, on voit qu'il y a des gens qui sont sur leur position, disent Jérafa, tu as raison. Il y en a d'autres, comme moi, qui sont sur leur position, Devodo a raison. Bon, le plus important, c'est quoi? Le conseil est annulé, non? Quand je dis le conseil est annulé, le conseil de Devodo et Didier Arafat sur la même scène est annulé, non? Didier Arafat a maintenu son conseil comme quoi il ira seul à l'Ivoire Golf Club. Mais ce qui me dérange dans l'histoire, c'est qu'on parle d'une réconciliation. Et si on parle d'une réconciliation, normalement, il doit y avoir maintes et une négociation. Parce que, mine de rien, c'est vrai, c'est le business, mais il y a la famille d'abord. Il y a l'amitié d'abord. Il y a la fraternité d'abord. C'est ce qu'on n'a pas compris chez Didier Arafat et c'est ce qui nous a énervé, nous les légionnaires. Il y a beaucoup de Chinois qui comprennent ça. Moi, quand je fais mes vidéos là, vrai, vrai, là, hein, si tu ouvres pas ton esprit, tu vas m'insulter et puis tu t'assois un jour pour regretter en fait. Parce que je mets les mots là où il faut. Je place les phrases là où il faut. Bon, vous avez fait, je vais parler un peu comme mes parents du là, bon. Vous voyez un peu? Il y a un problème. En moins de 2 jours, pour ne pas dire 3 jours, on retire une des parties de l'événement. Et en même temps, on place 2 artistes. C'est comme si tout porte à croire que tout était programmé. Voilà ce qui me dérange. Moi, je ne suis plus dans cette histoire de qui a raison, qui a tort. Non, je ne suis plus dans ça. Mais c'est la foutaise qui a eu là. C'est ça qui nous a fait mal. Et puis, on a dit, bon, les Chinois, parce qu'ils sont trop gamés, ils aiment trop les artistes. On va leur montrer aussi que nous aussi, on est fan de notre Debordeaux là. Malgré dans sa bêtise, il est là. Nous, on est fan de lui. Malgré son manque de professionnalisme, on est fan de lui. Voilà tout le débat, hein. Sinon, chacun dit pour lui actuellement. Et puis, ça va rester comme ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que, mine de rien, je ne suis pas boycotteur. Hein. J'aime pas faire le boycott. Parce que, si vous remarquez bien, si vous observez bien avec moi, on ne parle plus du concert de Didier Arafat. Réveillez-vous, hein. Vous pensez que vous nous faites mal parce qu'on n'a pas eu 25 millions ou bien on n'a pas eu notre droit à l'image. Ok, c'est que de l'argent. L'argent, c'est l'homme qui cherche. Ça, c'est pas ça le problème. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on est en train de boycotter un concert maintenu. Voilà, c'est vrai que Didier Arafat a fait un truc qui nous a pas plu, mais son conseil est en train d'être boycotté. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte. Comme lui, il compte tellement sur cette Chine-là. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte. Le plus important dans cette histoire, il serait de calmer les ardeurs. Ça ne sert à rien de publier des conversations qui nous arrangent. Parce qu'une conversation, c'est je parle, tu parles, on t'écoute, on m'écoute. C'est ça en fait l'histoire, c'est ce que vous ne comprenez pas. Et puis quand vous insultez mon artiste, je me braque contre vous. Moi, au regard de ce que j'ai entendu, au regard de ce que j'ai vu, je pense et je crois que mon débordeur a raison. Mais vous aussi, au regard de ce que vous avez constaté, au regard de ce que vous avez vu et entendu, vous pensez que Didier Arafat a raison. Bon, le plus important, c'est quoi? On trouve une solution pour calmer le jeu. Le mec, il s'en va faire son concert, son album sort le 28, et puis ça s'arrête là. Ou on continue de parler de ça, et puis on oublie son concert. Parce que demain, vous viendrez dire que c'est nous, on a boycotté le concert. Oh, c'est vous qui avez commencé. Ça, je vais le dire honnêtement. C'est vous qui avez commencé. Quand mon artiste de Bordeaux a commencé à faire ses posts, c'est moi qui ai fait vidéo pour dire de Bordeaux, tes posts, il y a dedans là, je ne suis pas allé, ça, je ne comprends pas. Tu veux boycotter le concert ou bien? C'est moi qui ai dit ça, vous avez oublié déjà? Et aujourd'hui, je me transforme en votre sorcier. Non, franchement, si j'ai pas eu mal, il ment. Mais on est dedans. Si vous êtes intelligent là, arrêtez d'envenimer les choses, arrêtez d'énerver les gens. Parce que si vous ne faites pas attention, le conseil dit Jarabat de venir descendre là, risque d'être un fiasco. Je vous promets, je vous le jure que je ne souhaite pas ça. Mais si vous restez dans cet élan là, où vous pensez que Didier Arafat a tellement raison, parce que vous entendez et voyez des choses, vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. Oh, c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. Il y a une partie qui a été biaisée, il y a une partie qui a été frustrée. Même s'il n'y avait pas de preuves, c'était à vous de trouver des solutions. Parce que le mec, quand il finit de faire son direct, même s'il a dit qu'il est fâché contre Didier Arafat, il dit je reste ouvert. Mais jusque-là, qu'est-ce que Didier Arafat a fait? Quand il dit je reste ouvert, demain le mec il fait une affiche où il met ténor et tout fan sur l'affiche. Les gens ils s'en foutent. Donc de quelle réconciliation on parle? Soyons un peu vrais. Soyons un peu vrais. Vous et moi connaissez la vérité. Vous et moi voyez bien ce qui se passe. Mais vous refusez. C'est ce qui est triste dans l'histoire en fait. Parce que je ne peux pas concevoir que on est en train de se plaindre. On est en train de se plaindre d'une situation. On n'a même pas encore trouvé solution.
On me retire et le lendemain, deux articles sur la fiche. Ah! En un temps record comme ça. Affaire où on dit, le promoteur n'a pas l'argent pour, on va dire, pour assumer toutes les charges. On ne cherche pas à trouver une solution de ça. Hein. On préfère retirer un autre pour inviter deux artistes d'Universal Music. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. On n'est pas bête. Moi, je ne suis même plus en train d'attaquer quelqu'un, mais je suis en train de dire ce qui est. Observez avec moi. Les choses se sont passées tellement rapidement. C'est là, c'est ce qui crée le flou, en fait. C'est ce que nous, on n'arrive pas à comprendre. C'est déjà prémédité, on ne sait pas. Calmez-vous. Je ne parle pas à tous les Chinois, je parle à ceux qui aiment envenimer les choses, ceux qui aiment insulter, là, calmez-vous. Parce que ça ne va pas vous arranger. J'ai participé à la promotion de cet album-là, j'ai participé à la promotion de ce concert-là. Vous allez me dire aujourd'hui que moi, je n'aime pas Didier Arafat. Vous aussi, vous êtes méchant, hein? Vous êtes mauvais. Vous, quand on n'est pas d'accord avec vous pour une situation bien précise, c'est qu'on n'aime pas votre artiste. C'est qu'on est, nous sommes des sorciers, c'est qu'on a fait du semblant. Attends. Vous vous dites, au regard de ce que vous entendez, vous voyez que votre artiste a raison. Nous aussi, en fonction de nos analyses, on trouve que notre débordeur a raison. Pourquoi on va dire? On n'a qu'à écouter pour vous là, parce que vous, vous êtes la Chine. Mais vous n'êtes pas le centre du monde. Il serait mieux de trouver une solution. Parce que jusque-là, je vais vous dire une chose, rien n'est perdu. C'est à cause de vos commentaires déplacés, vos vidéos à la con là, que les choses sont désenvenimées. Si quelqu'un aime bien réconcilier les gens là, aime bien promouvoir la paix là, c'est moi. Mais en même temps, je n'aime pas foutaise. C'est ce que vous devez retenir en fait. Moi, je n'aime pas foutaise. Qu'on apprenne à se respecter. Qu'on apprenne à se respecter. J'espère que vous allez écouter cette vidéo avec beaucoup de sagesse et d'attention. Je vais m'arrêter là, mais sachez que il y a eu trop de non-dits et trop de coups bas. Ne donnez ni raison à Didier Arafat, ne blâmez pas non plus Teboho Likoufa. C'était la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai un dernier scoop sur Safarel et Yared Chiné à 18h. Voilà. On va parler du premier maintenant. Ciao, ciao.